putréfaction, morceaux de fossiles vendus. L'humain, le végétal et l'animal reposant lambeaux sur cette terre. Je tire sa puissance et sa richesse, cet engrais sublime qui est la matière organique en voie de décomposition. Pendant ce temps-là, les os s'entrechoquent dans un bruit de crécelle irritant. Parfois, en tendant l'oreille, les cordes d'un violon sont animées en désaccord et transmettent de leur voix chevrotante un air fortement gai, sans qu'aucun corps ne puisse les accompagner. Dans une danse un peu mécanique, qu'est devenu le souffle de vie? Qu'est devenu le souffle de vie? Seuls les arbres, troncs d'hommes pétrifiés pourraient le dire. Ils sont là, spectateurs usés de tant de détresse et de folie mêlée. Et maintenant qu'il ne reste que les bouches pour les distraire, ils cherchent obstinément à voir ce qui ne peut être vu. Il n'y a plus tout que les voix qui les atteignent. Il n'y a plus de mains pour les blesser, plus de haches pour les pendre, plus d'yeux pour les observer. Seulement des milliards de lèvres qui se posent sur leur écorce, des langues déshydratées qui tentent d'absorber leur sève. Mais celle-ci a un goût de métal, un goût de sang caillé, un goût de cendre liquide. D'où vient l'eau que puissent les racines? Profond, 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 profond. Elle vient d'au-delà des cendres, au-delà des fossiles. Elle vient des sources souterraines, ce sont des fleuves bleus sans ciel. Les nerfs des arbres sont si longs qu'ils semblent toucher le centre de cette terre qui ne tourne plus, qui ne tourne plus. Les bouches vavillantes et nasillardes ne peuvent l'entendre, cette eau qui coule, elles ne peuvent la voir. Les bouches n'ont pas d'oreilles, c'est bien connu. Elles ne font que parler et s'interrompre les unes les autres dans une cacophonie sans fin ni début. Elles ne peuvent se taire car elles n'ont ni nuit nécessaire pour apprécier le silence, ni Dieu pour communiquer les vrais sentiments, ni de regard pour voir leur ridicule. Le vent fait résonner les troncs creux, ils sont passés de l'autre côté de la vie. Il suffirait d'étudier le vert de leurs feuilles. Il n'est plus dû à la chlorophylle, c'est un vert marin, c'est le vert presque blanc des rayons de cendre grise qui parfois font tousser les bouches. Oh, comme on les sent frémir quand l'eau circule le long des parois comme une cloche irradiée qui se serait mise à battre, puis à décliner mille sons en diapason. Les racines aspirent, puisent toujours plus profond, tandis que les eaux s'amoncellent toujours plus haut. Les branches se ramifient, se multiplient, formant un inextricable réseau de lianes vipérines. Mais pourquoi vouloir s'élever avec tant d'implication? Que cherche-t-il là-haut? Alors il y aurait peut-être encore quelque chose au-delà de l'épais tissu gris, au-delà de la fumée du rien. Feuilles folles qui tentent de pénétrer le néant. Voyez-vous quelque chose? Bien sûr, vous ne